Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter une bienvenue. Aujourd'hui, nous allons offrir un culte un peu spécial à notre Dieu. Ce culte est le fruit du travail laborieux des ouvriers de l'ombre, qui sont très rarement présents au début du culte parce qu'ils sont souvent occupés à ranger la classe. Je veux ici saluer l'engagement des différents responsables des classes, des jeunes, des enfants, de la catéchèse. Merci à vous, Alima, pour les chatons, Andou et Erika pour les bourgeons. Merci à Tatiana et Nicolas pour les tisons, à Benjamin pour les explos, à Gabi pour les compagnons. Pour ma part, je suis responsable de la classe des super tisons et aussi coordinatrice de l'ensemble des classes. Je salue également l'engagement fidèle des animatrices, des animateurs, qui chaque sabbat s'occupent à élever la conscience morale et spirituelle de nos enfants à l'Église. Un grand merci aussi à l'équipe des techniciens, les hommes invisibles, mais tellement précieux. Merci à tous. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est le thème de la non-violence. Pourquoi ce thème? Parce que la violence est un mal insidieux. Insidieux qui se glisse un peu partout, dans nos vies, dans nos églises, dans la rue, dans nos maisons. Elle revêt de multiples formes, les mots, les attitudes, les gestes, le silence, l'indifférence. Parce que l'on voit de près ou de loin les ravages de la violence en France et ailleurs, on ne peut que se faire ambassadeur inconditionnel et universel de la non-violence. Aujourd'hui, nous avons de très jeunes ambassadeurs qui ont plusieurs messages pour nous. Alors, je vous invite à ouvrir les oreilles et surtout à ouvrir vos cœurs, afin que le message puisse pénétrer, puisse faire son chemin. Et surtout, je vous demande de la clémence, parce qu'ils sont jeunes, ils sont très jeunes. Alors écoutez-les, pardonnez par avance leurs hésitations, leurs tâtonnements, et je vous souhaite à tous un bon sabbat.
C'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir ce matin. Je vous invite donc à vous lever pour ce premier chant. Thank you.
Après le cours, au service de garde de l'école. Est-ce que tu pourrais me prêter ton crayon, s'il te plaît? Le mien est cassé. Non. Quoi? Non, je n'ai pas envie de te le prêter. Mais pourquoi? Ce n'est pas tes affaires. S'il te plaît, j'aimerais finir mon dessin. Non, tu vas l'user. Mais c'est seulement pour faire un tout petit coloriage. J'ai dit non. Tu comprends ce que je te dis, tête de mule? Je ne suis pas une tête de mule et je te l'ai demandé gentiment. Je m'en fiche toujours, tête de mule. Ça me fait de la peine que tu m'appelles de cette façon. Je m'en fiche encore plus et puis va dessiner ailleurs. Tu me déranges là. Mais c'est pas gentil de vous bousculer, Anton. T'arrêtes de m'embêter. Je veux avoir la paix, alors va ailleurs. J'ai le droit de rester ici. La table ne t'appartient pas. Elle appartient au service de garde. Tu veux que je m'énerve, c'est ça? Je n'ai pas envie de te prêter mon crayon. J'ai bien le droit, ok? Tu as le droit de ne pas me le prêter, mais tu n'as pas le droit d'être impoli. Bah toi aussi, t'es impoli. Absolument pas, gros nez! Hey, ne m'appelle pas de cette façon. Et puis va-t'en, tu me fatigues, tête de mule. Ne m'appelle plus de cette manière, gros nez, poilu! Tiens, c'est tout ce que tu mérites. Eh ben, tu vas voir ce que je suis capable de faire. Mais qu'est-ce qui se passe, Anton? Maman Yam casse les pieds, elle veut que je lui prête mon crayon. T'as raison, lui prête pas ton crayon. Elle abuse, c'est ton crayon. En plus, elle veut toujours plus de place. Elle arrête pas de nous embêter. Nya nya nya, pfff, elle m'énerve. Ouais, c'est vrai ça, moi aussi elle m'énerve. Moi aussi elle m'énerve, la place, le crayon, nya nya nya. Qu'est-ce que t'as, Maya? Ben j'ai gentiment demandé un crayon à Anton. Elle m'a pas voulu me le prêter. Et en plus, elle m'a déchiré mon dessin. Quoi, mais c'est un scandale. T'es vraiment méchant, Anton. T'es qu'un sale égoïste, un prétentieux. Tu te crois toujours le meilleur. Allez, Maya, venge-toi, il le mérite. Ouais, venge-toi, Maya. Vas-y, Claire. Claire, tu te mêles toujours de ceux qui ne te regardent pas. T'es moche et t'as des grandes oreilles de lapin. Et toi, Donetti, t'as une grosse tête. Toi, tu n'es qu'un imbécile. Ouais, tête de bique. Les copains, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde essaye d'expliquer à Noémie ce qui se passe en gesticulant et en se bousculant. Moi, ça me rend triste de vous voir vous disputer comme ça. On joue bien ensemble d'habitude. Essayez de vous comprendre, les amis. On peut tout arranger si on se parle tranquillement et qu'on s'écoute. S'il vous plaît. Allez, Noémie, arrête de faire ce qu'est c'est tout. Tu nous saoules, tête de bique. Et sans écouter ce que Noémie dit, tout le monde continue à se disputer. Tout d'un coup, Bédouine voit Thaïs, l'éducatrice, s'approcher. Alors, rapidement, il retourne s'asseoir, accompagné de Sénat et Jessica. Claire, Zanetti et Noémie, dès qu'elles le voient partir, retournent s'asseoir aussi. Anton et Maya, eux, sont trop en colère pour même s'en rendre compte. Alors, Thaïs arrive jusqu'à eux. Qu'est-ce qui se passe, vous deux? C'est Anton qui a commencé le premier! Non, c'est toi, espèce de menteur! Arrêtez, vous deux. Arrêtez, vous deux. Attends que je me venge. Non, il n'y aura pas de vengeance. C'est compris, vous avez compris? Non, parce qu'elle n'a pas voulu arrêter la première. Arrêtez quoi? Ben, la dispute. Moi, j'ai été gentille. On se calme. On va reprendre tout ça au début. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Anton et Maya expliquent à Thaïs ce qui est arrivé. Et quelques explications plus tard. Bon, vous m'avez dit tous les deux ce qui s'était passé. Maintenant, il faut régler cet embrouille pour que tout aille bien entre vous deux. Mais comment? Je pense que ce sont les excuses, Maya. Bof.
Maya, quand même, c'est exact ce que Anton a dit. Tu sais, Anton, c'est vrai que des fois, tu n'as pas envie de prêter ton crayon. Mais ce qui n'est pas normal, c'est ta manière de le dire et de le faire. Et toi, Maya, c'est vrai qu'au début, tu lui as dit gentiment, mais tu as aussi continué la dispute en le traitant grossièrement. Bon, maintenant, cela n'a plus d'importance de savoir qui a commencé le premier. L'important, c'est de savoir, c'est d'éviter de se dire des mots agressifs et d'arrêter de se chamailler. Merci, Thaïs, de nous avoir aidés. Tu as raison, Thaïs. C'est vrai, ce n'est pas correct d'avoir traité Maya de tête de mule. Je suis désolée, Maya. Moi aussi, je suis désolée de t'avoir traité de gros nez poilu. Tu sais bien que ce n'est pas vrai que ton nez est pas poilu. Tu sais bien qu'il ressemble plutôt à un bon chamallow. Non, pas un chamallow. Un chou à la crème avec de la chantilly enrobé de chocolat avec de la vermicelle au caramel. Une bonne affaire de régler. C'est tellement mieux quand on se parle doucement et qu'on s'explique. Ça évite bien des problèmes. Merci Thaïs de nous avoir aidés. Oui, merci beaucoup Thaïs.
Non, si. Voilà, c'est bon, ils ont leur micro. Nous allons vous raconter l'histoire d'une jeune collégienne qui s'appelle Pamela. Un dimanche matin, alors qu'elle allait acheter du pain, elle fait une très mauvaise rencontre. Pamela ? Oui, maman ? Peux-tu aller m'acheter 3 baguettes à la boulangerie, s'il te plaît ? 3 baguettes ? Pourquoi 3 baguettes ? Parce qu'on a des invités ce midi. Tu as déjà oublié ? Allez, dépêche-toi, sinon la boulangerie va fermer. Pamela file vers la boulangerie. Mais juste avant de prendre le dernier virage, Cédric et Marielle surgissent devant elle et lui bloquent le passage. Ensuite, ils la tirent dans un passage peu fréquenté. Tu vas où comme ça ? Je vais à la boulangerie. Pourquoi faire ? Pour acheter du pain pour ma maman. Pour acheter du pain pour ma maman. On dirait un bébé cadom. Bon allez, tu nous fais perdre notre temps. T'as combien ? Combien de quoi ? Mais t'es bête ou quoi ? T'as combien de sous dans ta poche ? 20 euros, pourquoi ? C'est les sous de ma maman, je ne peux pas vous les donner. Oh que si, tu vas nous les donner, et tout de suite, sinon ? Sinon, on te refait le portrait. Cédric et Marielle secouent violemment Pamela et lui arrachent son billet de 20 euros. Surtout, tu ne dis rien à personne, sinon tu auras à nouveau affaire à nous. On t'a à l'œil au collège, alors tiens-toi tranquille. Cédric et Marielle s'enfuient en courant de... On s'enfuit en courant. Dans leur précipitation, ils bousculent un homme sans même se retourner. L'homme ramasse un objet au sol. Ils croisent alors Pamela qui pleure à chaudes larmes en faisant les 100 pas. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais dire à maman ? Bonjour Pamela, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi pleures-tu ainsi ? Pour rien monsieur, pour rien. Ah bon, tu pleures pour rien toi, c'est bizarre. Alors, peut-être sais-tu pourquoi Cédric et Marielle couraient comme des furies ? Ils m'ont bousculé sans même me voir. Ils m'ont volé l'argent que ma maman m'avait donné pour acheter du pain. Ah, d'accord. Combien t'ont-ils pris ? 20 euros. Sèche tes larmes et viens avec moi. Jordan entre avec Pamela à la boulangerie, achète le nombre de baguettes que Pamela lui indique. Puis ils ressortent. Tiens, je te rends ta monnaie sur les 20 euros. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution à ce problème. En attendant, rentre vite chez toi. Et ne dis surtout pas un mot de cette affaire à tes parents. Tu le promets ? Oui, monsieur, c'est promis. Je ne dirai rien. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Jordan salue Pamela qui s'en va en courant. Il se dirige alors vers l'appartement des parents de Cédric et Marielle, qu'il connaît depuis longtemps. Il sonne et attend. Hey, salut Jordan. Quel bon vent t'amène. Ça fait un bail qu'on ne t'a pas vu. Salut Patrick, ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps. Mais je suis très occupée en ce moment. Je voulais juste discuter quelques minutes avec Cédric et Marielle. C'est possible ? Mais bien sûr, ils étaient là il y a à peine 5 minutes. Chérie ? Oui ? Où sont les enfants ? Dans leur chambre, je crois. Pourquoi ? Appelle-les s'il te plaît, il y a Jordan qui veut leur parler. Cédric, Marielle, vous êtes où ? Oui, maman. Oui, maman, on est là. Jordan, vous vous parlez. Allez-y, mais traînez pas. N'oubliez pas que vous devez ranger votre chambre avant le repas. D'accord, maman. N'oublie pas ce que je t'ai dit. On nie tout en bloc. De toute façon, personne ne nous a vu sortir de la maison. Il n'y a aucune preuve contre nous. J'ai peur, Cédric. Si papa et maman savent ce qu'on a fait, ils vont se mettre en colère. Ils vont nous mettre à l'internat dans une autre ville. J'ai peur. Mais non, mais non. Tu tiens toujours à ta nouvelle tablette. Alors tu fais comme je t'ai dit, il n'y aura pas d'embrouille. D'accord, Cédric. Cédric et Marielle s'approchent de Jordan. Celui-ci les attire assez loin pour que personne ne puisse entendre leur conversation. Il les regarde dans les yeux avec un sourire. Alors les enfants, vous ne m'avez pas vu tout à l'heure ? Ha ! Mais vous voir où ça ? Vous étiez trop pressés, n'est-ce pas ? Mais monsieur, on n'a pas quitté la maison. C'est vrai monsieur, on était en train de jouer dans notre chambre. Si je comprends bien, vous n'êtes pas sortis de chez vous. Vous n'avez pas non plus rencontré Pamela
il est inutile de vous demander ce que vous avez fait des 20 euros. 20 euros? Mais de quoi vous parlez, monsieur? On n'a pas vu Pamela aujourd'hui. D'accord. Jordan sort quelque chose de sa poche. Il le montre aux enfants. C'est un joli portable rose et mauve sur lequel est gravé le prénom de Marielle. Dis-moi, Marielle, à qui il est ce joli bijou? Marielle reste sans voix, puis éclate en sanglots. Il est à moi, monsieur. Chut! Arrête de pleurer. Qu'est-ce que t'as et pourquoi il a ton portable? Parce qu'il est tombé de ma poche ce matin quand je l'ai bousculé. Mais t'es cruche, toi! Bon, ça suffit. Pamela m'a tout raconté et je suis en partie témoin de ce qui s'est passé ce matin. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous continuez à nier et je vais tout de suite voir vos parents pour leur raconter notre petite histoire. Soit vous cessez de nier et alors on pourra discuter entre personnes responsables. Non, s'il vous plaît, faut pas le dire à nos parents, ils vont nous faire la misère. Oui, on fera tout ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, ne dites rien aux parents. Ok, alors ouvrez bien vos oreilles. Je vais vous donner l'occasion de gagner honnêtement de l'argent et par la même occasion de me rembourser les 20 euros que j'ai dû prêter à Pamela ce matin à cause de vous. Et vous attendez quoi de nous? Oui, monsieur, dis-nous ce qu'il faut faire. Avec mon association, je peux vous faire avoir des petits jobs qui vous permettront de gagner vos propres sous. Vous pourrez par exemple laver des voitures, tondre le gazon, faire des courses pour des personnes âgées qui ont besoin de votre énergie. Vous serez payé pour chaque service rendu. Vous pourrez alors me rembourser mes 20 euros et tout le reste sera pour vous. Moi, je veux bien laver les voitures et je pourrais aussi faire les courses, monsieur. Et toi, Cédric? Moi, je crois que je pourrais tondre le gazon. Je tombe hyper vite et en plus, je l'ai déjà fait. Très bien. Je vous attends demain à 16h après les cours. Je vous dirai comment faire. Bon dimanche et surtout, soyez sages. Salut, à demain. Au revoir, monsieur. Cédric et Marielle furent ponctuels au rendez-vous de Jordan. Ils firent chacun très sérieusement leur petit boulot et reçurent un bon salaire en échange. Ils remboursèrent les 20 euros. Ensuite, conscients de la valeur du silence de Pamela, ils allèrent la remercier. Depuis, Pamela et Marielle sont devenues les meilleures amies du collège. Notre histoire se termine ici. Merci de votre attention. À bientôt! L'océan gronde et le vent rage, tu m'élèves au-dessus de l'orage. Je vous invite à vous lever. Thank you.
voilà, voilà. La table est prête, les chaises aussi. Bon, voyons voir. Il faut maintenant que je cherche tout ce monde qui va bien pouvoir venir à mon repas. Je prépare un repas chez moi. Je vous invite tous. Venez. Venez. On monte pas où ? Hein ? D'accord. Ça va, vous êtes bien installé? Je vais tout de suite vous chercher à boire pour l'apéro. Merci. Non, mais c'est quoi ce bazar? C'est toi qui as invité tout ce monde? Non, mais c'est pas possible, déjà le mois dernier. Non, mais enfin, on les connaît même pas, on ne sait même pas d'où ils viennent. Et toi, tu les installes comme ça chez toi? Non, mais t'as pas peur, toi, hein? Non, je n'ai pas peur. Mais écoute-moi, mets ces gens dehors. Tu as voulu que je vienne, alors c'est eux ou moi? Tu choisis, c'est bien simple. Moi, je viens, je t'amène quelque chose et tout. Et eux, qu'est-ce qu'ils t'ont amené? Rien. Non, mais qu'elles s'en gênent. Oh, écoute, tu m'agaces à la fin. Comment voulais-tu qu'ils m'apportent quelque chose? Je les ai trouvés là par hasard, dans la rue, ils traînaient. Ils n'ont rien demandé à personne, alors. Mais justement, ils n'ont rien demandé à personne. Alors, ils n'ont rien à faire ici. D'ailleurs, tu vois bien comme ils se tortillent sur leurs chaises. Ils sont gênés comme tout, ils ne savent plus où se mettre. Ils ne pourront plus jamais te rendre ça, alors imagine le stress pour eux. Mais qui a dit qu'ils devaient me rendre quoi que ce soit? Je ne les ai pas invités dans ce but. Je sais très bien que ce n'est pas un prêté pour un rendu. Moi, le donnant-donnant, tu sais, j'en ai un peu ma claque. De la gratuité, que diable, de la gratuité. Mais ma pauvre, la vie, c'est ça, tu n'as encore rien compris. Et si tu ne te débrouilles pas pour rentrer dans tes frais, tu te fais rouler dans la farine en beauté. Moi, en tout cas, pas question que je rentre un jour ou l'autre dans ce jeu. Moi, que je me fasse la complice de tes âneries. Merci pour les âneries. Et puis, entre nous, ma grand-mère me disait toujours, qui se rassemble, s'assemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu vas finir comme bande de miséreux de crève la faim. Tu vas finir pauvre. Oula, respire un coup, ça ira mieux. Du calme, mon frère, du calme. Tu crois franchement que je me suis ruinée avec un ou deux repas? Non, mais attends, réfléchis 5 minutes. Et puis, après, contrairement à ce que tu penses, je me réjouis beaucoup de discuter avec eux, d'apprendre à les connaître, ce qu'ils pensent, comment ils voient la vie. Et tu trouves ça intéressant? Mais enfin, regarde-les, nous ne sommes pas du même monde. Eh bien, gros bita, c'est justement là que je peux apprendre des choses. Ce n'est pas en marinant toujours dans le même jus que je vais apprendre du nouveau. Il faut prendre des risques dans la vie. Investir, non pas dans les banques pour que ton argent fasse gentiment des petits, mais dans les relations avec les gens, de ce qui est gratuit, de ce qui n'est pas. Dans les habitudes. Non, mais d'où tu sors tes idées complètement farfelues? T'es dans une secte ou quoi? Dis-moi, tu as bien fait ton école du sabbat en même temps que moi, non? Eh oui, et alors? Tu ne te souviens donc plus de rien du tout? Eh bien, l'école du sabbat ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, mais alors le repas du baptême et les cadeaux, ça oui. Hein. Tu as vraiment une cervelle de moineau. Tu vis comme un oiseau qui ne voit pas plus loin que le bout de son bec. Tu n'as pas encore compris que Jésus a fait et a dit des truc révolutionnaire? Oh, tu sais, moi, la révolution, hein. Eh bien, moi, je fais la mienne de révolution. J'invite des inconnus, je leur paye un repas. Je discute avec eux, j'investis dans les relations. Et si tu savais combien je suis devenue riche? Allez, le mois dernier, t'as fait la tête et t'es pas venue. Laisse-toi tenter, tu ne le regretteras pas. Enfin.
Bien, bonjour à tous. Alors, les jeunes ne m'ont pas laissé beaucoup de temps. Je savais déjà que je n'avais pas beaucoup de temps pour partager avec vous, mais ils m'ont laissé encore moins de temps que ce qui était prévu. Mais ce n'est pas grave. Quand Benjamin m'a dit qu'il avait proposé mon nom pour présenter une méditation ce matin, je me suis questionné quand même. J'ai eu deux sentiments très antagonistes en moi. Parce que je me dis, parler à Collonges devant une assemblée comme la vôtre, faite de gens érudits, connaisseurs des prédicateurs de la parole, des étudiants brillants, moi qui suis passé à Collonges il y a maintenant plus de 40 ans, mais je me suis dit que j'avais une certaine légitimité à parler de la non-violence, parce que en 1967, jeune étudiant ici à Collonges, j'ai commencé donc, j'ai été appelé sous les drapeaux. Donc à l'époque, le service militaire était obligatoire. Et jeune converti, s'est posé à moi le problème du port des armes. Est-ce que un disciple de Jésus, comme je voulais l'être, pour avoir été sauvé, peut porter les armes et apprendre les métiers de la guerre? Pour moi, il n'y avait pas de doute, c'était impossible. Je ne pouvais pas imaginer Jésus prêchant l'amour avec un fusil sur l'épaule. Et en plus, lorsque je suis arrivé à la caserne, la première chose que j'ai vue, en tout cas qui m'a frappé, c'est une cible qui représente une silhouette humaine sur laquelle on devait s'entraîner à tirer. Et là, pour moi, ça a été radical. J'ai dit, je ne toucherai pas aux armes. Alors évidemment, quand j'ai présenté cette idée aux responsables qui m'accueillaient, j'ai eu affaire à un bon père de famille, vraiment chaleureux. Il m'a dit, mais mon petit gars, il ne faut pas venir à l'armée avec des idées comme ça. On va être obligé de te mettre en prison, tu ne te rends pas compte. Et il a sorti au fond d'un tiroir les articles de loi, motif 332, refus d'obéissance caractérisé, 60 jours d'arrêt de rigueur suivi de 3 ans de prison. En deux périodes, deux fois un an et demi. C'est-à-dire, les objecteurs de conscience qui n'avaient pas fait la démarche, qui était difficile à faire encore à ce moment-là parce que le statut existait, mais il était impossible ou très difficile de pouvoir l'obtenir. J'ai dit, pas de problème, je suis déterminé. Pour moi, c'est pas 3 ans de prison qui me feront changer d'avis. Voilà. Donc, je me suis retrouvé effectivement aux arrêts de rigueur, avec un cahier des charges destiné à ceux qui étaient chargés de me surveiller, un cahier des charges draconien, je ne devais parler à personne, aucun contact avec personne, bien sûr. Je devais rester seul en permanence dans une cellule sordide. Enfin, vraiment quelque chose de très fort, mais qui a affermi ma foi, finalement. Et j'étais parti pour faire 60 jours d'arrêt de rigueur et puis continuer ensuite dans une prison de droit commun. Et au bout de 35 jours d'arrêt de rigueur, quelqu'un vient frapper, enfin ouvre la porte de la cellule et me dit « Prépare tes affaires, tu t'en vas ». Alors je dis « Bon, tiens, je m'en vais ». Je pensais que mon incarcération en droit commun était anticipée. Et puis non, on m'a dit, tu vas au service de santé, parce que dans les hauts lieux de l'administration militaire, deux généraux se sont penchés sur mon cas, voilà ce qui m'a été répété, deux généraux se sont penchés sur mon cas et étaient en contradiction. L'un d'entre eux disait, un gars comme ça, il faut le maintenir en prison, c'est pas possible, parce que ça peut générer toute une épidémie de gens qui prennent la liberté de faire ce qu'ils veulent par rapport à la force militaire. Et puis un autre qui disait non, il ne refuse pas le service militaire en tant que tel, mettez-le dans le service de santé et puis ça va bien se passer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai été libéré après seulement 35 jours d'arrêt de rigueur et placé dans le service de santé. Alors je dis seulement 35 jours, oui, c'est peu. Mais c'est pendant ces 35 jours, je pense que l'église de Collonges, les anciens s'en souviennent peut-être, en tout cas certaines églises locales, je le sais, ont prié pour qu'il se passe quelque chose dans cette cellule ou dans cette administration militaire. Donc
J'ai été libéré grâce à Dieu parce que Dieu a utilisé la mésentente de certains hauts fonctionnaires de l'armée pour me libérer. Alors, parler de la non-violence, ça me touche un peu. Mais en même temps, je me suis interrogé, quel est le contraire de la violence ? Chercher le mot « contraire à la violence ». Je jette un défi là de trouver le mot qui est exactement le contraire de la violence. Alors, si on questionne les dictionnaires, si on questionne les organes de lettres qui étudient cette problématique, alors ils vont trouver une série de mots qui sont censés être le contraire de la violence, mais il n'y en a pas en fait. Ils sont tous le contraire d'autre chose. Et du coup, je me suis dit que pourquoi la violence n'a-t-elle pas de contraire ? Je me suis demandé si ce n'était pas parce que la violence touche tous les aspects de l'existence, tous. Ça a été très bien raconté par les enfants au début aussi. Voilà, donc tous les aspects de l'existence sont touchés par la violence. Alors je me suis ensuite interrogé sur l'antidote de la violence. Quel antidote à la violence ? Alors on a parlé de la communication non violente. Il y a une quantité, j'ai découvert ça en réfléchissant un peu à ce sujet, une quantité d'éditions sur la violence, sur l'éducation à la non-violence, sur des réflexions sur la non-violence, comment arriver à faire avancer la non-violence. J'ai même découvert à Genève une organisation internationale qui fait la promotion d'ambassadeurs de la paix. Donc des gens, des particuliers comme vous et moi, qui sont signalés pour être des artisans de la paix et à qui on va donner le statut d'ambassadeur de paix. Cette organisation internationale dit, en multipliant ainsi les ambassadeurs de paix, eh bien on va réussir à faire reculer la violence. Voilà. Au début de mon ministère pastoral, à Clermont-Ferrand, on m'a présenté une avocate, Maître Balofi, une personnalité lyonnaise, mais qui était propriétaire de biens considérables à Clermont-Ferrand. Et cette avocate était disciple de Gandhi. Pourquoi pas de Jésus-Christ, mais disciple de Gandhi. Et sa philosophie, c'était donc de promouvoir la non-violence. Et sa pratique consistait à louer ou à mettre à disposition gracieusement ses appartements à des gens dont la seule obligation est de certifier que dans l'appartement, il ne se pratiquera jamais aucun acte de violence. Et la thèse de cette femme, elle me l'a expliqué comme ça, elle m'a dit, comme ça, il y a un endroit où il n'y a plus de violence dans le monde. Ça marchera, je donnerai un deuxième appartement, ça marchera, j'en donnerai un troisième. Et ainsi, ça fera tache d'huile et on arrivera à éradiquer la violence de l'humanité, de la Terre. Quelle utopie, n'est-ce pas ? Voilà, alors l'antidote de la violence. Bien, j'ai envie de dire, je me suis dit, les musiciens, dans la musique, je pense que c'est un antidote très très fort à la violence. Dans les annales des missions adventistes, on raconte que des missionnaires adventistes voulaient toucher des îles habitées par des anthropophages. Il faut avoir du courage hein, pour aller affronter des anthropophages, des guerriers violents. Et l'histoire raconte que les missionnaires ont eu l'idée d'affréter un bateau, de faire monter sur ce bateau des chanteurs et de poser le bateau suffisamment loin de la berge, mais suffisamment près pour qu'on puisse les voir et les entendre. Et ils se sont mis à chanter. Et l'histoire raconte que pendant plusieurs semaines, ils ont fait ça, en venant régulièrement, et les guerriers approchaient avec leurs armes prêts à attaquer. Et puis ils ont été un peu scotchés par ce qui se passait. Et de jour en jour, la confiance est arrivée et ils ont pu approcher ces personnes et prêcher l'évangile. Donc je me suis dit, la musique peut être un excellent moyen, un antidote à la violence. Mais l'antidote par excellence, ça reste Jésus-Christ. Est-ce que vous vous souvenez les mots de la petite fille qui a dit sa prière au tout début ? Hein, ces mots, elle a dit, la violence est partout, mais nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus. La violence est partout, mais nous voulons garder les yeux fixés sur Jésus. N'ayons pas peur de la violence, ayons les yeux fixés sur Jésus. Alors juste trois évocations de texte.
le cep et les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. C'est Christ qui vit en moi, dira saint Paul aussi, en face de situations tendues. Et personnellement, j'ai vécu ça, parce que quand on est enfermé avec l'interdiction de communiquer avec qui que ce soit et d'être confronté à une armée qui est volontaire, et les renseignements généraux, hein, qui se mêlent de tout ça, qui essayent de savoir qui est derrière tout ça, c'est Christ qui vit en moi, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, maintenant pour terminer, je vais juste vous faire une petite confidence. C'est très facile d'affronter l'armée française, de se présenter à 19 ans au service militaire, puis de dire « je refuse de porter les armes », c'est très facile. Par contre, là où c'est plus difficile, c'est au quotidien d'éradiquer la propre violence que j'ai en moi au quotidien et qui nécessite précisément d'avoir les yeux fixés sur Jésus en permanence. Je vous remercie, je vous souhaite à tous de vivre cette expérience avec le Christ. Amen. Nous sommes invités à partager la connaissance de ce Dieu de paix, ce Dieu d'amour, ce Dieu non violent partout autour de nous. Et un des moyens de faire ce partage, c'est de pouvoir rendre une partie de ce que l'on a. Les compagnons et les bourgeons vont passer dans les rangs pour récupérer les dîmes et offrandes que vous avez préparées.
Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Merci mon Dieu pour cette possibilité de nous réunir ici ce matin. Merci pour cette possibilité de vivre ensemble des moments de découverte dans de tes nombreux aspects. Merci pour cette mission que tu nous confies, qui nous invite à partager ton amour autour de toi. Guide chaque personne qui va gérer cet argent que nous te rendons ce matin. Aide-nous à nous comporter avec bienveillance avec nos frères et sœurs. C'est dans le nom de Jésus, le meilleur exemple de bienveillance, que nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. J'invite tous les enfants à venir sur l'estrade, non pas pour l'histoire, mais pour un chant qu'ils ont préparé tous ensemble, depuis les tisons jusqu'aux compagnons. Nous serons vous voyants.
Je vous propose de rester là jusqu'à la fin du culte, comme ça on descendra tous ensemble après. Vous pourrez même chanter le postude avec nous si vous voulez. Voilà. Avant de terminer ce culte, il y a Nina Vullier qui a aussi préparé un texte, un poème sur la non-violence. Et je lui laisse la place et on l'écoute. La colère est une émotion qui doit passer, avec elle tu ne peux te coucher sans péché. Ne te laisse pas dominer par cette émotion, ouvre vite ton cœur à Jésus, ton compagnon. Ne t'empresse pas de rendre le mal pour le mal. Voici un chemin qui n'est pas du tout banal. Identifie quel besoin est non satisfait, observe avec grande attention chacun des faits, laisse s'exprimer sans jugement tous tes besoins, et formule des demandes précises avec grand soin. Ne t'éloigne de ce droit chemin que pour prier. Cherche le secours de Dieu avec humilité et il te fera sur la violence triompher. Quand les enfants sont sur l'estrade, l'église est bien dégarnie. Les premiers rangs sont vides. Nous avons eu ce matin un échantillon de ce qui se passe chaque sabbat, quand nous, ici en haut, nous sommes bien tranquilles, dans le silence absolu, en train d'écouter un enseignement. Au sous-sol, dans toutes les salles, ce sont des ruches qui travaillent, qui fonctionnent, qui apprennent, qui échangent. Et ce matin, nous avons eu un petit temps de partage avec ces enfants. D'abord, un grand merci à eux pour la profondeur et la beauté des messages qu'ils nous ont proposés ce matin. Un grand merci à Rosny Dugachard pour l'équipe qu'elle a su conduire avec toutes les animatrices et les animateurs pour mener à bien non pas seulement cette matinée, mais toute l'année, les 52 sabbats de l'année. Et c'est énorme comme travail. Merci donc beaucoup à Rosny pour ce travail. Vous savez que être animateur d'enfants de cet âge n'est pas facile. Et on m'a soufflé à l'oreille juste avant mon intervention. On recrute. Alors, s'il y a des adultes, jeunes ou moins jeunes, parmi nous, désireux de passer 52 sabbats par année avec les enfants, adressez-vous aux responsables. Merci à tous ces responsables, ces animateurs, ces animatrices et à tous ces enfants de notre Église. Et bravo pour les enfants que nous avons. Juste une précision, on n'est pas obligé de faire du 52 sabbat, on peut faire du temps partiel aussi. Voilà. Je vous propose pour le postule qu'on fasse tous ensemble libérer les captifs. Tous ceux qui le connaissent, vous pouvez rester chanter. Et je vous souhaite à chacun et à chacune une bonne semaine. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen.
merci. Merci beaucoup. Je tenais à vous remercier.